90,5. 90,5 d'avoir au moins starter. Ah, la probabilité d'avoir un x3 en main. Attends, je vais calculer ça. En plus, c'est même pas un deck de 40 cartes, c'est un deck de 42 cartes. Simulateur de probabilité. Ça va. Heureusement, on a eu lui en main. Mais malheureusement, on n'est pas premier. Mais on a droplet en main, on est content. Ah, on est moins content de voir ça en revanche. C'est pas possible que ce soit un Eldritch full trap. Yes. Malheureusement qu'on a le match avant, vraiment, c'est pas mérité. Alors, on va commencer par Écrase Métal, comme ça, si il y a Skill Drain, on va le taper à 2008. En toute honnêteté, on ne l'aurait pas invoqué si on n'avait pas touché Moissonneuse. Parce que comme ça, on aurait pu attendre le tour suivant et chaîner Overdrive pour faire son effet. Alors, les probabilités de piocher. C'est 0,1%. Voilà, c'est dit, c'est 0,1. Gamma. C'est chiant ça, Gamma. Il joue à deck trap, donc on peut espérer qu'il n'ait pas l'OTK derrière. Sachant qu'on a encore Moissonneuse derrière, pour le tour suivant, donc. On peut espérer. On va juste poser Overdrive et terminer là-dessus. Et Kalis, on va le poser, c'est un deck piège. Voilà. Sur Nalish, ouais. Évidemment sur Nalish. Je crois qu'on a bien fait de poser la gouttelette pour empêcher l'OTK. J'espère vraiment qu'on va pas se faire one shot. Encore? Bah dis donc, on se fait plaisir en face. Non, en revanche, ouais, on risque pas de se faire OTK s'il a banni tout son extra deck. Hein. Ce serait très étonnant. Oui, 0%. Mais après, il faut appliquer ça sur toutes les cartes qui sont x3 dans le deck. Hein. Donc, ça, c'est juste sur une carte bien particulière. Et il va pas nous one shot. On est plutôt content. Et l'avantage, c'est que du coup, ici, on va pouvoir jouer avec Fortress. Merci, Overdrive Mechabot, d'être à la main de départ. Qui va bien nous aider dans le match-up. Ok, il veut vraiment nous bourrer. Hein. Là, il veut vraiment bourrer. Ok, très bien. Ça me va. Je prends les dégâts. Tu peux me bannir ça si tu veux, je m'en fous. Un Eldritch qui bourre, c'est un gars qui a zéro respect. Hein. Franchement, j'espère la win celle-là parce que ce genre de play, c'est tellement mauvais. Il espère juste me finir le plus vite possible. Sauf que pas de chance, j'ai quand même une main jouable. Ok, avancée lourde, c'est cool, on est content. Mais on va commencer avec Moissonneuse du coup. On va faire effet, j'imagine qu'il va faire Skill Drain. Comme 90% des Eldritch, non? Très intéressant. On va chaîner ça. Comme ça, on peut faire Zeus. Et s'il le fait pas, je force ses pièges. Ok, Vanity Emptiness, ok. Du coup, on va chaîner notre carte piège ici. Vanity Optiness, c'est un problème. Hein, donc, on a bien fait, du coup, de faire tout ça. On va invoquer Fortress. Hein, c'est la carte du match-up Fortress.
On va chercher Dozer. L'avantage, c'est qu'il ne peut plus activer ses pièges. Donc moi, je vais pouvoir suicider Fortress sur site, sur Edlish et péter trois cartes. Il peut pas invoquer ses conquis. Incroyable. Donc chaîne 1, je vais détruire une de ses pièges. On va détruire celle qu'il a posée en dernier. Et l'espace de négation saute d'office d'elle-même. Donc ça, c'est incroyable. Ok, c'est cross-out. On est content de détruire des cartes qui ne sont pas des liches. On va réinvoquer Fortress en défonçant Citadelle. Voilà. Et là, on a un petit setup hein, de cimetière. On a un petit setup, donc on est content. Et on va faire le play avec Dozer. Là, on vient bien de le remonter en source. Hein, on a égalité, donc on est plutôt content. On va faire l'effet de Dozer. On va le forcer ses pièges. Hein. De toute façon, on peut toujours faire revenir Fortress avec le train. Et on a avancé lourd pour le prochain tour. Donc on peut se permettre de sacrifier pour faire Dozer. Pardon. Et s'il veut nous l'annuler, c'est pas trop grave. On force ses cartes. On veut vraiment forcer ses cartes. Histoire que ses pièges, il les active pas pour le Eldritch. Moins le Eldritch revient, plus je suis content. Ok, parfait. On va invoquer notre backup. Hashtag trancheur. X5. Bon, ouvre fleuve. Et là, on est parti. S'il ne fait rien. C'est con, hein, s'il n'avait pas activé Aquero, il aurait pu ban Fortress, par exemple. Et ça aurait été très embêtant. Après, on a ça au cas où. Hein. On a Overdrive. Overdrive, c'est incroyable. Ça, on est content de l'avoir détruit, même si en vrai, c'est pas la meilleure carte non plus. Ok. Ouais, il avait quand même tout hein, en face. En revanche, ça c'est complètement con ce qu'il vient de faire. Parce que ça m'empêchera pas de faire l'effet d'ouvre-fleuve. Parce qu'il va me le détruire, mais je préfère effet trancheur, faire revenir un Infinity Track, faire lien 1, invoquer Goliath, faire effet d'ouvre-fleuve, faire revenir sacrifier Goliath, équiper Goliath à ouvre-fleuve. Et faire effet d'ouvre-fleuve du coup. Et en plus de ça, je peux faire l'effet de citadelle. Donc ça ne change absolument rien. Si ce n'est que je vais wipe son board. Mais plus tard. On va attendre un peu. Du coup, on va activer l'effet de trancheur. On va invoquer moissonneuse. Et on va faire un petit tour assez sympa. On va faire l'effet de Goliath. On va faire lien 1 Goliath, pardon. On fait l'effet d'ouvre-fleuve du cimetière. On sacrifie Goliath. On réinvoque ouvre-fleuve du coup. Voilà. Du coup, on fait l'effet de Goliath. On le rééquipe à ouvre-fleuve. Voilà. Comme Goliath est attaché en matériel à monstre machine, ben, le monstre machine ne peut pas être détruit par des effets de carte. Du coup, je fais effet de citadelle. Je cible mon ouvre-fleuve qui a 2005 d'attaque et tous ces monstres qui ont 2007 d'attaque et moins sont détruits. Voilà. Même mon ouvre-fleuve n'est pas détruit grâce à Goliath. Du coup, maintenant, on fait effet. On détache Goliath. Et on va chercher le train. Voilà. Et du coup, maintenant, on va pouvoir faire. La question de savoir si je fais baliste pause en vrai. Parce que je peux plus invoquer mon train ici. J'ai déjà fait son effet. La question se pose en vrai. Le mieux, je pense que c'est. Si je fais baliste. Ou alors je fais lien 2. Je défausse un train. Je le réinvoque. J'invoque l'autre. Ouais, on va faire ça.
On va pas faire balise tout de suite. Parce que j'ai déjà fait trancheur et je peux pas extend avec mon train. Et je peux pas invoquer l'autre. Donc je ne pourrais pas avoir mon numéro machin. Mais en revanche, j'aurais mon numéro 81 en faisant ça. Voilà. On invoque en mode défense. On active ça. On va chercher moissonneuse juste au cas où qu'il me fasse un board un peu embêtant. On fait numéro 81 maintenant. Voilà. Oui, on fait gaffe aux colonnes. On fait gaffe. C'est l'habitude. C'est méga l'habitude. Hop. On fait effet. Ouais, j'aurais pas dû le faire tout de suite, mais bon. S'il a Nibiru en main, c'est mérité. Mais non, de toute façon, il peut pas faire Nibiru. Il est activé sur un élixir qui peut invoquer que des zombies. Donc il peut pas faire Nibiru. Donc ça change rien. Et on va faire fin de tour, hein. Et faites Super Express. Oui, là c'est sur Nalichi et Xir qui peuvent s'activer. Mais là, il a tout craqué pour pas grand-chose. Hein. Il est complètement retourné. Il avait un board complètement 4 pièges et un 4 pièges et 2 monstres. Il a plus rien à faire du tour. Donc c'est assez incroyable. Et faites Super Express. Et comme on a bien vu, hein, les deux autres qui étaient là, c'était des pièges et de liches. Donc on va récupérer Dozer ici. Et oui. En def, t'as pas attaqué. J'ai pas attaqué? Si, j'ai attaqué avec Fortress. J'ai attaqué avec Fortress sur le Eldritch pour péter justement une carte en plus et la Vanity Emptiness. L'espace de négation, pardon. Donc oui, on a attaqué. Et généralement, je m'arrange toujours pour ne pas attaquer avec le numéro 81, sauf si j'ai l'étal avec lui-même. J'aime pas trop attaquer avec le numéro 81. Je m'en sers vraiment comme un gros mur défensif. Parce que si je dois attaquer, autant invoquer. Comment il s'appelle? Attends, celui-là. Quitte à attaquer, autant invoquer celui-là, tu vois. Donc, numéro 81, je m'en sers vraiment comme play défensif. Donc, c'est quoi les chaînes qu'il me faire là? Chaîne 1, chaîne 2? Ok, ça va. Pas de soucis. Pas de soucis, tu peux faire ta chaîne, mon petit pote. Mais oui, les colonnes pour les mecs chevaliers, c'est une question d'habitude, ça, en vrai. Vraiment, tu prends le réflexe au fur et à mesure que tu le fais. Là, il se rend compte qu'il a peu dans le... qu'il commence à être un peu en difficulté, je pense. Ok. La voix orage foudroyant. Je pense qu'on laisse comme ça pour l'instant. Juste faire gaffe à ce qu'il peut invoquer d'extra deck, mais dans tous les cas, je peux lui péter une carte. On voudrait juste garder le Derrick Rain au cas où il a Skill Drain face cachée, parce qu'elle serait détachée d'Exis matériel, donc il ne serait pas affecté par Skill Drain. Fin de main phase, ok. Bah du coup, effet. Je vais lui envoyer lui-même, histoire d'éviter de prendre des dégâts. On a quand même plus que 3007, donc on va éviter de jouer avec le feu. Là, s'il attaque ici, j'ai Citadelle qui revient. Paf. Du coup, effet de citadelle. Hop. On va quand même lui péter une carte, hein, histoire de récupérer le Derrick Rain avec l'effet de Super Express. Et comme ça, on pourra le rejouer. Et en plus de ça, je pourrais faire citadelle, target numéro 81, détruire son Eldritch ici. Limite, je pourrais chaîne gouttelette si j'en ai envie. En passant on, s'il vous plaît. Ok. Il avait posé où ses pièges? Il avait posé des cartes. Il y a celle qui est posée à gauche, ici. C'est Conquistador. Hein. Donc c'est celle-ci qu'il faut détruire. On connaît pas. Du coup, là, il faut. Effet numéro 81. Détacher ça. Cibler lui-même. Pour le rendre non affecté.
On attend que ça se résolve. On va voir ce qu'il va poser avec Conquistador. Dans le pire des cas, je lui détruirai sa carte. Mais bon, là c'est Conquistador. Et là c'est sur un élixir. Ok, on va lui détruire la carte face cachée qu'on ne connaît pas. Effet. Détruire celle-ci. Et on va chaîner Citadelle en ciblant numéro 81 pour détruire le premier le surnaléchir ici. Le surnaléchir ici, pardon. Hop. Et hop. Donc c'était le jugement solennel, on est content. Genre de carte, on est plutôt content de détruire. Et on va garder ça au chaud. Ça, on ne l'active pas tout de suite tant qu'on n'a pas Tunnelier banni. Donc on garde au chaud pour l'instant. Il est fait super express, évidemment. On va récupérer le train. Et voilà. On a toujours du matériel sur le numéro 81, donc ça aussi, c'est cool. Ok, ça on est ok pour la piocher. Alors, pas le one shot, hein, on peut taper là-dedans. Et rendre inaffecté conquis le monstre qu'on va invoquer pour le one shot. Donc let's go. On invoque moissonneuse. Effet, on va chaîner Derrick Rain. Enfin, sauf si je chaîne un truc, mais dans tous les cas, on a le one shot. Hein. Chaîne d'Eric Rennes. Voilà. On va chercher trancheur. Perceuse en crash, pardon. On va faire lien 1. Sauf s'il fait quelque chose. Est-ce qu'il fait quelque chose? Là, il y a l'étal. Hein. On peut le tuer. Là, c'est conquis. Là, c'est sur un élixir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut activer? Enfin, il veut activer ses cartes, mais. Il est en train de réfléchir. De toute façon, quel que soit le timing qu'il fait, j'ai quand même l'étal. Il peut pas me finir juste parce que j'ai le numéro 81, qui a encore du matériel. Quel que soit le timing à laquelle il veut faire, c'est fini. Du coup, on disait on fait une IA 1. Voilà. On peut activer des trucs s'il en a envie. Imagine qu'il le fera pas. On va invoquer le super canon. Avec ces deux-ci. Et ensuite, on sacrifiera l'alien 1 avec Dozer. Comme ça, l'alien 1 va s'attacher au canon et il ne pourra pas la détruire. Et s'il essaie de la détruire, je n'aurai caché le numéro 81. Et donc voilà, et ce sera terminé. Même pas sûr que ce soit le bon play d'ailleurs. Je pense que c'est même carrément juste de faire super canon, effet, faire Dozer, enfin faire ouvre-fleuve, pardon. Équiper ouvre-fleuve et tuto derrière. Je pense que c'est encore plus safe. Dans le pire des cas, s'il me détruit une machine, j'ai toujours Citadelle. Hein. Là, 100%, il va essayer de me le détruire. Non? Très bien. Effet. On va tenter de détruire sa carte conquise. Hein. Là, il va chaîne. Il n'a pas le choix. Yes. Il va chaîner son surnaléxir, élixir, normalement. Ah, oups, j'ai oublié qu'il avait déjà un surnaléxir. J'aurais dû. Oui. Surnaléxir, pardon. C'est pas grave. J'ai quand même encore l'étal. Quelle que soit la carte qu'il détruit ici. Parce que je peux invoquer mon Axis 10 sur n'importe laquelle des deux. Il a déjà 6000 points de vie, trop tard. Peu importe laquelle il détruit. Ça change absolument rien. Bon, qu'est-ce qui me détruit? Pas que je commence à fatiguer, mais. Voilà. Ça joue autant plus durant son tour. Ouais, ça joue un petit peu, machine pendant le traverse. Du coup.
Ouais, bah, let's go, on va continuer, hein. On va faire l'effet d'ouvre-fleuve. J'ai dit ouvre-fleuve. En sacrifiant Goliath. On fait effet de Goliath. On l'équipe. Et il va perdre. Oh, je suis bien content de la gagner celle-là. On va détacher un. On va chercher dans le deck. Et on va aller chercher. On va aller chercher Super Express. Sait-on jamais? Et là, on fait effet. Sacrifie la Xyz. On fait effet. On invoque le tunnelier. Même pas en fait. On va invoquer moissonneuse. Ce tunnelier, on peut le tuto. On va faire Xyz. Baliste. Voilà. Effet de baliste. On va chercher la boîte des tunneliers. Hop. Effet de la boîte. Tunnelier. Oh là là, la petite fatigue commence à arriver. On fait effet de baliste. On cible notre carte face cachée. Son Eldritch. Passe à zéro d'attaque, s'il te plaît. Merci. Et maintenant, on termine. On sait que c'est sur un élixir, donc pas de problème. Et là, il se rend compte qu'il est fini. On fait son effet, on détache Citadelle. Dans le pire des cas, on peut continuer à jouer. Hein. On a encore tout ce qu'il faut en main. On a encore plein de trucs à faire s'il le faut. Battle phase. Mais on n'exagère pas. Et on battle à 6000. Ça va en vrai. Ouais, il faut quand même quelques ressources, mais en vrai, ça passe. Et hop là, moins 6000. Hop là, on prend la win. Ça a pris un peu de temps. Ça prend juste un peu de temps, je trouve, pour le battre les liches, mais ça va.